Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau Vlogmas, Vlogmas numéro 4. Je me dépêche, je suis en retard, mais en retard, je devais partir à 10h, je me suis levée à 10h. Après, il doit être 10h10, j'ai cours de Big Data de 11h à 13h, donc il faut vraiment que je me dépêche. Je vais pas me maquiller là, je vais juste genre me nettoyer le visage, j'ai pas pris de café, j'ai pas mangé, je me suis juste habillée. Vraiment une catastrophe. Donc je me dépêche, on va en Big Data, je vous emmène avec moi parce qu'on va tirer au sort du coup pour savoir quand est-ce qu'on passe. J'espère vraiment qu'on va passer, pas cette semaine mais la semaine d'après, parce que sinon ça va être la merde pour moi. En tout cas sinon je vais trop galérer cette semaine, ça va être compliqué de fou. J'ai mis un petit pull, un jean, genre un truc vraiment très vite fait. J'ai tellement mal dormi parce que le montage de la vidéo m'a pris beaucoup de temps. Je me suis couchée genre vers 1h30 et après bah je me suis endormie très rapidement. Mais à 7h du matin, mon cerveau s'est réveillé et a dit « Elisa, wake up !» Du coup bah de 7h à 9h j'étais réveillée. Et à 9h, genre pile poil là où mon réveil a sonné, bah je me suis rendormie jusqu'à 10h. Et je faisais aussi des câlins avec Prince du coup, bah, c'était trop bien. Et je voulais pas arrêter ces moments incroyables avec ce chat. On va quand même mettre un petit point de correcteur parce que là c'est une catastrophe, hein. C'est plus possible. Hein. Oh mon dieu, le matin je suis vraiment éclatée, hein. Je suis une arnaque. Hein. Je mets même pas de mascara, j'ai la flemme. On va laisser les cils comme c'est. Et puis bah let's go, je ressemble à rien du tout. Bon bah let's go, c'est parti, on va à la fac. Allez, hop. Bon, et bien du coup, cette luminosité incroyable toujours. Je n'y suis pas allée en Big Data, là il est 10h40 je crois. J'ai attendu 20 minutes le bus, il est jamais venu. Ensuite j'ai regardé sur Citymapper les problèmes de transport. Il n'y avait ni bus, ni RER. Enfin il y avait un bagage oublié, je sais pas quoi. Je dis bon, ça sert à rien. En gros j'arrivais vers 12h30, sachant que le cours se finit à 13h. Donc 2h, enfin 1h30 de transport plus 1h de retour. 2h30 de transport pour 30 minutes, c'est bon, ça m'a saoulé, donc je me suis dit vas-y, non c'est pas grave, tant pis, on n'y va pas. Et mon chacha est toujours là, j'en peux plus, avec son petit bisou rouge là, mon cœur. Il était trop mignon cette nuit parce qu'il arrêtait pas de faire des câlins, il ronronnait, moi je lui tenais la petite patte. Je lui faisais des petits câlins sur ses coussinets, c'était trop mimes, genre vraiment je l'aimais trop. Donc bon bah écoutez, on va pouvoir prendre un petit déjeuner. Manger et boire un café parce que je n'en peux plus, je commence à être un petit peu enrhumée en plus. Et il n'y a aucune lumière, c'est incroyable. Vraiment ça me saoule ce temps, c'est pas possible, genre il fait nuit. Je suis obligée d'allumer les deux lumières quoi, c'est grave quand même. Je vous pose où? Donc je suis allée chercher mon colis Sephora parce que bah ça faisait genre une semaine et demie qu'il était là-bas. Et c'était des produits que j'avais achetés pour le Black Friday. Donc bon, je fais mon café, je fais mon petit déjeuner et on se retrouve dans le canapé pour parler un petit peu de tout ça, de ce programme aujourd'hui. Donc le programme de la journée, on va faire du ménage pour pouvoir préparer les décorations de Noël demain. Donc là aujourd'hui le ménage ça va être donc le ménage de sol, un peu partout, genre les poussières, etc. Faire le lave-vaisselle, faire une lessive et surtout aussi ranger toutes les décorations automnales. Et le plus important c'est de bouger le salon, de réorganiser le salon un petit peu, genre de pousser le canapé, pousser le meuble. Je vais peut-être enlever les lilos qui sont au mur là, pour pouvoir pousser un peu plus le meuble, etc. Il faut qu'on voit où est-ce qu'on met le sapin aussi, est-ce qu'on met à côté du miroir, est-ce qu'on met à côté de la baie vitrée. Donc je sais pas encore, j'aimerais bien le mettre à côté de la baie vitrée, ça ferait moins chargé je pense quand on rentre dans l'appart. Ce soir normalement j'ai un date, je crois, je suis pas sûre. Je sais plus si c'est aujourd'hui ou demain, je vous avoue, je perds un peu le fil. J'ai pas forcément envie de bouger là, je suis tellement focus dans YouTube que j'ai pas forcément envie de bouger. Mais bon, je me suis engagée donc bon, il faut que j'honore mes engagements. Donc voilà pour le programme de la journée, on va ouvrir le calendrier de l'avant après. Je bois mon café, je mange un petit peu, je regarde une petite vidéo, genre juste le temps de me réveiller un peu parce que vraiment j'ai passé une nuit horrible. Et ah oui, je suis allée voir aussi ma voisine, c'est une voisine que je connais pas trop, elle est un peu chelou la meuf. Et en fait elle a mon colis et c'est un colis avec des vêtements pour ma soeur. Donc j'aimerais bien pouvoir le récupérer, donc j'ai sonné, il y a personne qui répond mais j'entends qu'elle est là tu vois. Donc ça m'énerve, je sens que je verrai plus jamais mon colis. Je sens que ouais. Parce qu'en plus elle m'a laissé aucun mot, elle m'a... Tu vois je sais pas, quand tu récupères un colis de quelqu'un, tu fais un petit mot sur sa pote en mode bonjour, j'ai récupéré votre colis, vous pouvez passer quand vous voulez. Enfin, je sais pas, un truc comme ça, vous mettre un mot dans la boîte aux lettres.
Le facteur, c'est lui qui me l'a dit que j'avais mon colis là-bas, mais sinon je l'aurais jamais su. D'habitude, mon voisin il donne ça à mes voisins que j'aime là, vous savez. Donc hier, je leur dis, ils m'ont dit ah ouais, tu nous fais des infidélités et tout. Je leur ai dit, mais les gars, c'est la merde. C'est la folle qui a mon colis, je ne le reverrai plus jamais. Donc écoutez, voilà, je prends mon petit déj. On va s'amuser aujourd'hui à faire du ménage. Ça va être rapide, je pense, parce que le ménage, franchement, ça va. Il y a beaucoup de rangements, je pense, à faire. Mais j'avais fait un gros ménage la semaine dernière, genre. Donc là, ça va être rapide aussi. Je pense que j'ai passé un petit peu Jouzette partout dans l'appart. Ah oui, il faut que je bouge Jouzette aussi. Bon, Jouzette, c'est mon aspirateur robot pour ceux qui ne le savent pas. Il y a du taf. Allez, c'est parti. Je pleure, c'est trop. J'ai dit à mes voisins que j'ai sonné, qu'elle avait pas ouvert. Elle a ouvert ton colis, elle a vu que ça l'intéressait, elle a gardé. T'es niqué. Non mais c'est la merde parce que c'était des habits pour ma soeur. Et je dois lui filer avant qu'elle parte en Guadeloupe. Non mais elle a intérêt à ouvrir, genre je vais repasser cet après-midi et ce soir, genre je vais lui mettre la pression, c'est pas possible. Regardez-le. En fait tu me colles parce que là il y a pas de chauffage. Là en fait c'est la merde. Parce que... J'ai envie de changer la disposition de mon salon. J'ai envie de mettre le canapé en face et le meuble télé ici. Sauf que les prises TV, etc. là, c'est là. Et j'aimerais bien mettre mon canapé là-bas parce que j'ai le chauffage juste là. Et quand j'allume le chauffage, bah il y a le canapé. Du coup, bah ça ne chauffe absolument pas la pièce. Je ne t'engueule pas, Prince. Je suis en train de parler à la caméra. J'avoue, je parle un peu fort. Oh là là là. Là, il y aura le tirage au sort. Attendez, là, je suis en panique. Sachant que le balcon, je vais pas y accéder. Ah, faut que je récupère mon fauteuil et que je le mette dans le bureau. Putain, c'est ça que je voulais faire. Et donc, en fait, le balcon, bah je vais pas y toucher. Je vais rien mettre. Je vais pas faire de décoration sur mon balcon parce que flemme. Donc, j'ai envie de mettre le canapé. En fait, faire exactement l'inverse. Bon, on va faire les calendriers de l'avant. On va commencer par Mademoiselle Bio. Ah, c'est trop bien, c'est un sérum hydratant de la marque Skin & Tonic. Je crois que ça doit être ça, la marque. Donc, c'est un petit sérum comme ceci. Trop contente, j'aime trop les sérums. J'ai une passion pour ça, j'adore. Oh, il y a plein d'oiseaux, mais il n'y a plus de boules de graisse. Oh, les loulous, je suis désolée, faut que je vous en donne. Attendez, je vous en donnerai après. Ensuite, typologie. Je vais pas faire la même erreur, je vais l'ouvrir de manière droite. Normalement, on passe en 2 semaines. Ah, Jésus, Marie, Joseph. Ça me laisse 2 semaines pour faire le montage de Walking Dead. Ah, ça fait du bien. Bon, typologie. Déjà, ça m'enlève une épine du pied. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point je stressais pour ça. Donc, je suis vraiment trop contente. Je vous baisse un petit peu. Hop. Alors, j'ai eu quoi? J'ai eu un... Bah aussi, pareil, un sérum hydratant au papyrus. C'est une huile de nuit, pardon, à l'extrait cellulaire de papyrus, 100% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est trop trop bien, une petite huile pour la nuit. Donc ça c'est vraiment cool, j'ai jamais testé des huiles de nuit. Le numéro 13. Oh, c'est un rouge à lèvres. Oh non, c'est trop beau. Oh, il a l'air trop bien. C'est un verre un peu poudreux. Donc ça se présente comme ça, le packaging est vraiment hyper, hyper bizarre. Trop bien, ça a un effet un peu velours. Ensuite, le My Muesli. J'ai eu donc un chocolat white. Je pense, chocolat, ouais, blanc, avec du cinnamon. Je sais plus ce que c'est, cinnamon. Ça doit être la cannelle ou je sais plus. Donc ça se présente comme ceci. Ah, j'ai goûté hier celui à la banane et caramel beurre salé, c'était super bon. Le numéro 3 pour My Muesli, c'est du porridge. Alors ça, j'avoue, je suis pas très très fan du porridge. Mais bon, voilà, c'est du porridge, je pense que je vais donner à une amie. Pour Rituals, j'ai eu l'huile nourrissante. Décidément, j'ai que des trucs nourrissants et hydratants de la marque Rituals of Ayurveda. J'adore cette gamme-là. De toute j'aime toutes les gammes chez Rituals. Mais trop trop cool. Donc au moins ça c'est cool, Big Data, c'est dans 2 semaines. Ça me laisse le temps de commencer le montage. Est-ce que je change de disposition? Je pense que ça peut le faire. Moi j'y crois en tout cas. Est-ce que vous y croyez? Parce que vraiment ça m'est venu d'un coup. Je me suis dit vas-y, j'en ai marre d'avoir froid dans le salon. Je peux pas utiliser mon chauffage. Il faut trouver une solution. Et je pense que ça peut être une bonne solution. Après, est-ce que c'est possible? On va déjà commencer à faire le ménage. Je pense que c'est une bonne solution. On va faire le ménage, on va vider de la vaisselle, nettoyer un petit peu, genre ranger un peu tout le bordel. On va faire le salon. Les autres pièces, il n'y a rien à faire. Et après, on verra pour le salon.
Désolée du bruit, il y a la machine à laver qui est en train de tourner. Donc voilà toutes les décorations automnales que j'ai, je vais les ranger dans ce petit sac. Il y a cette bougie là que j'aime beaucoup, c'est en forme de pomme de pin, ça peut le faire en décoration hivernale, donc je pense que je vais la garder. Je l'ai aussi en orange, mais elle fait un peu trop automne. Donc je pense que je vais garder ça. Et puis bah, je vais ranger tout ça. Je vais garder, je pense, le petit plateau, peut-être pour au cas où faire d'autres petites décos. Et je vais peut-être garder ce socle là pour mettre les bougies, parce que ça avait bien protégé. Regardez, il y a une bougie qui a fondu et ça a bien protégé le plateau, donc je vais peut-être garder ça, ce petit socle là. Ah oui, j'ai ça aussi comme décoration. Attendez, il y a plein de médicaments qui traînent comme d'habitude. Mais hop, ça je vais le ranger aussi. Donc il est 12h05, ça va, je suis en avance, je suis contente. Le soleil commence à se lever. Il faut que j'aille mettre ça aux poubelles jaunes. Et là c'est en train de tremper avec les trucs des poubelles. Je suis en train de tremper un petit peu pour désinfecter. J'ai vidé les poubelles, c'est bien. J'avais besoin de vider les poubelles, ça faisait longtemps qu'elles étaient là. Donc c'est parti, je range tout ça. Et ensuite je passe un petit coup de jousette. Et je range un petit peu. Et on voit pour le balcon. Donc on va faire le balcon juste après. Voilà, j'ai nettoyé un petit peu partout. Maintenant on va s'attaquer au balcon. Il y a toutes les boules de graisse à mettre à la poubelle, enfin les filets. Nettoyer un petit peu quand même. Prendre le fauteuil, le mettre dans le bureau. Ça, bah le fuchsia, je pense qu'il va aller au cimetière. Voilà, faut juste que je réorganise un petit peu tout ça, que je prenne surtout le fauteuil. Pierre, tu sais que t'as pas le droit de monter sur le fauteuil. Hein. Donc voilà pour le balcon, j'ai rangé un petit peu. Bon, j'ai pas jeté le fuchsia parce que là pour l'instant j'ai pas le temps. J'ai remis des graines, ça faisait longtemps que j'en ai pas mis des graines parce qu'en fait ils en foutent partout à chaque fois. Et j'ai remis mes dernières boules de graisse, donc j'en ai plus du tout là. Enfin, peut-être que j'en rachète. Et voilà, j'ai enlevé le tapis, j'ai enlevé toutes les graines qui traînaient un peu, j'ai pas nettoyé les petites merdes là. Faudrait que je le fasse, mais pour l'instant. De toute façon, il va être condamné le balcon. Donc ça ne sert à rien d'essayer de faire des efforts de nettoyer vu qu'on va pas y aller dessus. Ensuite, faut que je lave ça. Faut que je lave mon fauteuil aussi. J'ai vidé les poubelles, j'ai enlevé les cartons qu'il y avait ici, donc ça c'est vraiment cool. Et donc il faut que je vois comment ça se passe derrière là, parce que il doit y avoir 15 milliards de câbles. Et donc j'aimerais bien mettre ça ici et ça ici pour pouvoir avoir accès à mon chauffage. Parce que comme vous pouvez le voir, je ne peux pas avoir accès à mon chauffage. Donc j'aimerais bien pouvoir inverser. Je chiale, je sais pas comment je vais faire. En plus le meuble est tellement lourd. Et j'ai envie de retirer ça. Parce que ça j'aime pas du tout. Et c'était mon ex qui voulait l'acheter pour mettre toutes ces petites plantes et tout. Sauf que bah là j'en ai pas vraiment besoin. Donc je vais le défaire. Il y aura des trous, ça me saoule. Je sais pas combien on a fait de trous, mais je pense qu'on en a fait 4. J'aime pas du tout. Vraiment c'est moche. Quand il y a des plantes et tout, c'est joli, mais là j'ai pas envie de mettre de plantes. De toute façon, ça sert à rien que je mette des plantes parce que je vais pas pouvoir en profiter. Donc c'est parti, je vais essayer de voir ce qui se passe derrière. Quelqu'un peut m'expliquer à ce chat qu'il est trop mignon. Prince, qu'est-ce que tu fais là, mon chacha? Oui, oh là là, il a sauté mon cœur. Oui, t'as sauté, t'as voulu me faire peur, hein? Bah, c'est loupé. Et là, il est fou parce que tout l'appartement bouge. Et bah voilà, il est fou, il devient fou. Voilà. Il aime bien quand ça bouge, il aime bien quand il y a de l'espace. Il adore courir, il fait n'importe quoi. Donc là, c'est son quart d'heure de folie, il est fou. Regardez-moi sa tête. Oui, mon cœur, moi aussi, je t'aime. Donc je vais regarder ce qui se passe derrière, pousser un petit peu tout ça. Il y a même une plante qui est là-bas, genre. Donc il faut que je fasse en plus un petit peu de ménage du coup et que je pousse tout ça pour voir ce qui se passe. Et le meuble est tellement lourd, je vais enlever je pense les corbeilles parce qu'il y a toutes les bougies à l'intérieur. Bon, du coup je suis en train de faire ça et j'ai dit à mes voisins que je voulais changer tout l'appart. Ce serait peut-être temps de réfléchir à cette astuce là quand même, ta télé, ton meuble télé où il y a tes fenêtres et ta télé entre les deux fenêtres quand même. De toute façon je comprends pas pourquoi la prise télé ils l'ont pas mis de ce côté là d'ailleurs. Et bah faut que t'achètes un grand câble, si je me trompe pas, faut juste acheter un grand câble d'antenne là. Je sais plus comment ça s'appelle, Doudou, mais c'est ça en fait qu'il faut qu'elle achète. Et après, bah tu branches ta télé. Ah, faut que je trouve ça alors. Mais oui, allume ton putain de chauffage, il fait 4 degrés devant. Principado, que te pasa? Donc je vais essayer de pousser un peu plus le meuble là pour voir. C'est ça en fait qu'il faut que j'achète. Parce qu'en soi, les prises, là, tout ça, là... Je vais montrer ça à mes voisins, attendez. Bon, j'ai retrouvé tout ça de fil avec le même embout. Enfin, l'embout, il rentre dans le mur. Donc, je pense que ça peut être ça. J'ai envoyé ça à mes voisins au cas où. Mais c'est un fil que j'avais acheté à Villejuif, genre, il y a longtemps. Il y a 4 ans, je l'avais gardé au cas où. Et j'ai bien fait de le garder parce qu'il y a je ne sais combien de mètres, là. Attendez, est-ce que ça fonctionne aussi? Ouvre YouTube. Place au 8ème de finale. Ta gueule, ouvre YouTube. Putain, ça marche, mais pourquoi j'y ai pas pensé pendant 3 ans? Tout ça à cause de mon ex. Ma meuf qui a jeté la faute sur lui.
Mais c'est vrai, il voulait pas changer. Putain, on va changer le salon, les gars! Wouhou! Allez, c'est parti! C'est grand, c'est ouf. Je viens de retrouver le jouet préféré de Birdie. C'était son jouet préféré, elle l'adorait. Là, c'est les petits jouets de prince qu'on va jeter parce qu'ils sont dans un état pitoyable. Et il avait réussi à mettre son nouveau jouet en dessous du canapé. Franchement, n'importe quoi. Ah, ma petite Birdie, qu'est-ce qu'elle me manque. Ça va être un Noël sans elle, ça va être vraiment bizarre. Un Noël de merde. Là, t'es perturbée, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, hein? Faut que j'enlève ce truc moche. Ça fait bizarre. Bon, je vais essayer de mettre ça ici. Faut que je mette le tapis. Bon, encore désolé pour le bruit de fond, ma machine n'est toujours pas finie. Alors voilà ce que ça donne pour l'instant. Prince adore les changements, genre il est fou comme pas possible. Donc là j'ai pas encore mis la table basse parce que je vais peut-être changer des trucs, donc faut que je remette ça. Ça c'est le câble qu'il faudra que je cache, enfin que je colle entre guillemets avec je sais pas quoi. Des petites accroches, je sais pas comment je vais faire ça pour l'instant, mais j'ai rien pour accrocher à part de la pâte à fixe. J'ai peut-être essayé de mettre de la pâte à fixe, mais bon, c'est pas ouf. Ensuite, je réfléchissais où est-ce que j'allais mettre le sapin. En fait, moi j'aime bien avoir mon miroir ici. Je préfère ici que... Enfin, j'ai besoin d'avoir mon miroir. Donc, je veux mon miroir ici. Je vais peut-être essayer de mettre ça là à côté, s'il y a de la place. Parce qu'en fait, mon sapin, j'aimerais bien le mettre là. Ça va devoir bouger, parce que si je mets mon sapin là, ça va pas passer pour Josette. Donc Josette, faut que je la mette là-bas. Mais sauf que Josette et le chauffage, je suis pas sûre que ça fasse bon ménage. Sinon, bah, le meuble TV, ça passe parfaitement bien. Donc ça, je suis trop contente. J'ai mis mon petit feu de cheminée. Et j'ai froid. Genre, j'ai froid de ouf. Donc on va aller allumer le chauffage. D'abord, je vais le nettoyer, parce que c'est une catastrophe. Ah là 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 là. Attention, on va faire ça ensemble. Et on va le mettre en 5. Pour l'instant, oh là 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 là. Donc j'ai remis les petits paniers et en fait je voulais vous dire ce que je voulais faire au tout début, mais je pense que ça allait me coûter un peu trop d'argent, c'est de construire une espèce de mini cheminée ou d'acheter sur Amazon une espèce de mini cheminée que j'aurais mis ici en fait pour avoir du chauffage. Mais je crois que mon père il m'a dit que ça allait coûter trop cher avec l'éthanol et tout, genre ça aurait coûté trop cher. Mais en gros une espèce de mini cheminée et tout j'aurais trop voulu. Donc je pense que je vais bouger Josette. Josette ça va péter un câble, faut que je la reconfigure hein, parce qu'elle va dire mais avant je pouvais pas aller là, maintenant je peux y aller, genre je sais pas comment on fait pour la reconfigurer. Vraiment je crois que Prince il préfère hein.
Parce qu'au moins, il peut voir ce qui se passe dehors. Et je sais qu'il aime trop regarder ce qui se passe dehors. Donc, bah écoutez, si ça lui convient. Je pense que de toute façon, ça va rester là pendant pas mal de temps. Jusqu'à l'été prochain. Genre pas cet été de 2023, mais l'été 2024. Donc au moins, c'est cool. Et là, je sens déjà la chaleur. C'est ouf, c'est incroyable. Alors par contre, j'ai un petit problème. C'est que mon câble pour Josette n'est pas assez long pour atteindre ça. Donc en fait, ça faut que je l'avance. Mais le problème, c'est qu'il y a une petite prise là. Enfin, un petit truc. C'est des lumières de mon balcon. Donc au pire, je débrancherai Josette et je brancherai comme ça. Mais j'avoue, c'est pas très pratique. Donc bon, déjà, Josette, elle est là. J'espère qu'elle va pas avoir trop chaud. En espérant que tout se passe bien. Là, ma machine est en train de décoller. Et on mettra le sapin ici. Je pense que ça peut faire joli, hein. Ma lessive vient de se terminer, enfin. Alors en fait, je n'aime pas du tout ici. Je trouve ça pas très très joli. Du coup, j'ai un peu changé ici. La bouffe de prince, je vais la mettre donc comme avant ici. Et parce qu'en fait j'avais mis sa bouffe en bas parce que Birdie n'était plus là, donc elle pouvait pas manger la bouffe de prince. Mais je pense que je vais remettre à l'endroit initial en fait, là où il a l'habitude de manger, c'est-à-dire ici. Donc je vais remettre ça là. Avant il y avait la poubelle qui était là, donc là je l'ai mise ici pour à la place de la bouffe. Donc ce qui est un peu chiant, c'est qu'il y a les feuilles qui gênent un petit peu. Donc ça c'est la poubelle jaune en fait, c'est les papiers cartons, etc. J'ai remis ma petite plante là comme à son habitude parce qu'elle s'y plaît, elle aime bien être là. En fait bah, je vais mettre ça ici. J'espère que ça va faire joli. Donc il est 14h15, je n'ai pas mangé. Donc je vais aller manger, faire une petite pause parce que là je n'en peux plus. Je vais manger les raviolis avec le... avec le... les mentales français qui est périmé depuis 6 mois. Ouais non, j'aime pas du tout. Je trouve pas ça très joli. Et si je mets la poubelle là... Attendez, on va essayer. Ouais non, c'est pas possible. Du coup, quand le sapin sera plus là, je le mettrai là, le truc là. Mais vu que là c'est fait moche, je vais mettre ça dans le bureau. Le bureau est actuellement en bordel. Donc on rangera ça, le bureau, prochainement. Donc ça je le mets dans le bureau et dès que le sapin n'est plus là, je remets ça là. Sinon est-ce que je laisse la poubelle comme ça? Comme ça, ça fait un petit vide ici, je sais pas. Ou l'autre solution. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après là, ça fait un peu plus de place. On voit moins la plante. Est-ce que c'est grave? Ah, ma bouffe est prête. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai plus de batterie d'ailleurs. Bon, voilà le repas. J'ai mis du sirop d'hibiscus avec du Perrier. Faut que j'en rachète du sirop d'hibiscus. Mon chat, il est ravi. Voilà. Et franchement, je suis trop fan de l'appartement pour l'instant. J'ai hâte de mettre le sapin pour voir un petit peu les effets. Je vais mettre aussi une petite guirlande et tout un peu partout. Donc j'ai trop hâte. Donc j'ai mis les calendriers de l'avant juste là. Il n'y a plus de lumière, excusez-moi. Petite bougie, voilà, pour qu'il y ait un petit peu plus d'odeur assez agréable que le chauffage. Mais il s'est éteint. Non, mais ne t'éteins pas. Continue de chauffer, j'ai froid. Ouais, mais t'es assise quand même. Bah si. J'ai mis ma petite bougie de Noël, elle est trop belle. Et j'ai aussi mis mon petit diffuseur. Bon, je sais pas si ça va sentir quelque chose, mais voilà, c'est un truc... qui sent le sapin un petit peu. Mais Prince, t'es con ? Ma lessive est terminée, faut que je la mette à sécher. Et j'ai enlevé mon lilo qui était là. Donc ça fait très moche avec les trous. Sauf que bah, j'ai des petites guirlandes comme ça, vous savez, qui se pendouillent en effet un petit peu rideau. Donc je vais peut-être essayer de le mettre, voir ce que ça donne. Bon, j'ai essayé de regarder la longueur. Prince, arrête de bouffer les fils ! J'ai regardé au niveau de longueur. Normalement, il n'y a pas assez. Donc j'en rachèterai une sur Shein. Comme ça j'en mettrai deux, mais là pour l'instant je vais essayer de l'installer et de la mettre au milieu ou genre jusque là, jusque derrière le... Prince, arrête de faire des conneries. Oh là, il est fou là, il n'en peut plus. Du coup je vais la mettre jusqu'au miroir, la lumière, et je vais pas trop le mettre vers le fond. Donc c'est parti, on va essayer, je vais mettre des petits clous pour que ça tienne un petit peu mieux. Le verdict final. J'espère que ça ira. Ah merde. Ah putain, c'est une lumière froide. Je voulais une lumière chaude moi. Mais sinon ça fait joli je trouve. Outre la lumière, enfin le... Putain, ça fait bleu et tout. Non, moi je préférais jaune. J'aime beaucoup sinon. Genre outre la couleur, j'aime beaucoup. Donc je vais repousser le canapé et mettre les guirlandes derrière pour que ça soit bien droit. Mais j'aime beaucoup, donc j'achèterai je pense deux guirlandes jaunes. Ça fait un petit style, mais après j'aurai mes guirlandes de Noël et tout. Et mes guirlandes de Noël elles sont jaunes, donc ça va faire un peu bizarre. Toi t'aimes bien être là du coup, hein, parce que comme ça tu vois les oiseaux. Bah oui mon cœur.
Et du coup, oh ça va, ça fait mignon je trouve. Là faut pas trop que j'y touche parce que ça tient à peine. Je vais mettre ça comme ça. Là aussi ça tient pas très bien. Vu que c'est du porteur en fait. J'espère que Prince il va pas vouloir s'amuser avec. Prince, c'est toujours pas un embrachat hein. Tu prends trop la confiance Prince. Bah après regardez, ça me saoule. Là c'est jaune. Ouais, bon bah ça restera comme ça pour l'instant. Et puis j'achèterai des lumières jaunes. Mais pour l'instant je vais laisser ça comme ça, c'est pas mal. Ça fait un petit effet un petit peu cosy. On va garder ça comme ça. Regardez l'état de mes chaussettes. Prince il a retrouvé sa petite balle de foot, c'est trop mignon. Il est trop chou. Il est trop chou. Je l'aime trop ce chat, putain. Donc j'ai placé ces petites gamelles et tout comme avant. Juste là. Donc là en fait c'est là où je mets l'herbe à chat. Bon ses croquettes, sa pâtée, son eau. Donc j'ai juste à faire ça pour remplir. Enfin des fois je laisse comme ça, mais le bruit me dérange quand je filme. Donc je l'éteins et il y a quand même de l'eau qui reste. Donc ça c'est cool. Et pour les croquettes, je les ai mises là. Moi, je les ai mises à portée de main. Je vais nettoyer la petite table parce qu'il y a eu de la terre et tout. Ça, c'est ma petite bougie. Je sais pas si je vous en ai parlé de ça. Pardon, mon cœur. C'est une bougie. C'est la nouvelle bougie de chez My Jolly Candle. J'ai été invitée au lancement et j'ai ramené ma sœur. Et en fait, il y a une bougie pour chaque jour de votre mois. Et faut juste la demander en magasin. Et en fait, t'as tout le descriptif derrière. Et moi, c'est exactement ça. C'est les natifs du 22 février sont un peu rebelles à l'autorité. Et c'est exactement moi. Genre vraiment, si on peut définir ma personne, c'est je n'aime pas l'autorité. Donc voilà, après, je trouve pas ça très très joli là pour l'instant. Je vais laisser ça là. Et peut-être après, on mettra les... Quand tu auras plus le sapin, on mettra par terre et tout. Mais pour l'instant, je mets ça là. Donc, je vais nettoyer la table. En soi, j'aime bien. Enfin, j'aime pas la caméra, ça paraît. C'est très criard. Hein, mais en fait, en vrai, c'est beaucoup plus doux. Voilà. Après, il faut que je fasse ma petite lessive. Il y a beaucoup de choses. Ça, je vais le ranger aussi. Ça va, mon cœur? Ah, tu l'as mis en dessous du canapé, ça y est? Oh non, mon pauvre chéri. Elle est partie en dessous. Bien, voilà ce que ça donne quand on rentre. On a directement la vision sur la télé. Putain, je vais mettre un néon qui sera tout autour, là. Jusque là je pense. Et en tout cas j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Et j'aimerais bien avoir une lumière vraiment comme ça, un peu jaune pour ici. Pour le canapé, je trouve ça beaucoup mieux, beaucoup plus comfy. Regardez tous les oiseaux qu'il y a. Regardez comme il est mignon. J'ai mis ce plaid là en fait à la place de l'ancienne couverture pour que ça soit un peu plus comfy, un peu plus nuage, etc. Et comme ça Prince il fait pas trop ses griffes dessus. Mon petit plaid de Noël. Là-bas en fait, dans chaque recoin, c'est là où Prince se met tout le temps. Donc c'est sur des plaids comme ça sur les côtés. Et il adore se mettre ici. Et je vais essayer de faire en sorte qu'il ait un petit coin pour qu'il puisse voir les oiseaux, etc. Parce qu'il adore regarder à l'extérieur. Regardez comme il est mignon celui-là. Il est trop beau. Voilà en tout cas pour le salon. Je pensais pas faire ça aujourd'hui. Vraiment, j'ai pété un câble. Et donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et après je vais vous laisser parce que va falloir que je bouge de l'appartement. Et je vais mettre donc ma poinsettia. Malheureusement je suis très très bête. Tous mes cache-pots, ils sont sur le balcon. Du coup je n'ai pas de cache-pots. Mais en fait j'ai des petits pots comme ça. Voilà. J'espère que ça va passer à l'intérieur. Et la poinsettia, on va pouvoir la mettre à l'intérieur. Ça va être trop joli. Bon, on voyait pas grand chose, je vais allumer la lumière, même s'il est 16h. Alors, on va essayer de la positionner de sorte à ce qu'on voit les plus belles fleurs. Donc, voilà, Prince, il adore. Qu'est-ce que tu fais, Prince? Donc, voilà, en tout cas, pour les petites décorations. Et demain, on va faire donc le sapin, les décorations de Noël. Ça va être vraiment assez prenant. Donc, j'ai trop hâte de faire. Et on va mettre un petit centre de table et tout. Donc, ça va être trop cool. Faut que je fasse ma lessive. Et je vais mettre ça à laver aussi. Et puis voilà, en tout cas je suis trop contente, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais je trouve que ça change et au moins on a du chauffage quoi, putain c'est ouf. Parce qu'à chaque fois tous les hivers je me les pelais parce que de un ce chauffage là était coincé. Et le deuxième dans le bureau était aussi coincé donc je n'avais pas de chauffage, je me les pelais. Voilà je suis assez contente, hein Prince t'es content? Oui. J'aime trop, dommage que la couleur soit pas bonne. Bref c'est pas grave, j'arrête de me répéter, je vais me tuer au montage. Je vais vous laisser là, je vais vous laisser pour aujourd'hui, j'ai envie de me reposer, je suis vraiment très fatiguée
et je vais un petit peu bosser, etc. Donc je pense que ce vlog est assez long. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, il joue avec sa petite carotte. Enfin, son piment, je sais pas. Oh, je l'aime trop, ce chat, putain. Il est incroyable. Et il l'a chopé dans sa gueule. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTF. Je vous fais une petite story tous les jours. N'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas. À vous abonner à ma chaîne YouTube juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour le prochain Vlogmas. Bye bye.